Coucou à tous, je vous reprends en vlog pour ce mini vlog de lecture pour ce week-end. Je vais essayer en tout cas d'en faire un sur Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerton. Et j'en suis à la page 20. J'ai pas fini mon chapitre ce matin. J'ai bientôt fini là. J'aimerais bien finir jusqu'au chapitre 2 avant d'aller me prendre un petit bain et de le continuer dans mon bain pendant les pubs. Là, je voudrais voir un film en replay de TFA tout à l'heure dans le bain. Et en même temps, là, je me regarde une vidéo de Nina Quinn. Cette fois, j'adore elle, elle aussi, comme booktubeuse. Attendez. Un énorme boucle qu'elle a. 45 livres, elle va être longue la vidéo. Moi non, j'en ai pas marre de l'été, non. J'en veux plus. Je me suis fait piquer par un moustique sur la main. Regarde, regardez. Mais c'est affreux. Je vais mourir. Je pense sincèrement. J'adore son petit logo là avec son chien. C'est trop mignon. Ok, vous l'entendez? Moi aussi, par contre, j'en ai marre des moustiques. Lol. Bon allez, je vous laisse et je vous reprends peut-être tout à l'heure dans le bain pour vous montrer mon avancée. A plus. Bon, coucou, je vous reprends, j'ai avancé un peu dans la vidéo. En même temps, j'ai un peu lu. Et j'en suis au chapitre 2, page 27. Mais là, je vais me poser pour aller dans le bain tranquillement. Parce qu'il est bientôt 21h. Et oui, nous sommes toujours le vendredi, hein, 16 juin. Et donc, je vais me poser tranquillement dans le bain. Et je vais vous laisser pour ce soir. Je pense que je vous reprendrai demain. Déjà, ça va nous faire quelques... Je vous ai pris trois fois, je crois, aujourd'hui. Je crois. Oui, trois fois. Donc déjà, ça va nous faire... Demain, il faudrait que je vous prenne plusieurs fois dans la journée. Mais demain, je vais faire... Je vais essayer d'aller m'acheter des chaussures et tout. Donc, je risque de ne pas être chez moi. Et dimanche, je vais boire le café chez la maman d'une... chez la maman d'un ami. Donc c'est pareil, je risque de ne pas être trop chez moi, mais je vais essayer de lire un max quand même, tout ce week-end. Et s'il faut, jusqu'à lundi. Parce que normalement, lundi ou mardi, je reçois le SP. Et il y aura un deuxième suivi lecture du Roi des Glaces, tome 2. Voilà, je vous laisse pour ce soir et je vous dis à plus. Dans le bus, à tout à l'heure dans le tracteur, lol. Coucou à tous, re-coucou. Je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le 17 juin, le samedi 17. Avec mon petit café et ma lecture en cours. J'ai lu un tout petit peu là ce matin. Je m'en suis rendue au chapitre 33. Je me suis arrêtée en cours parce que j'ai voulu manger après. Et il me reste plus beaucoup pour arriver au chapitre 3. Voilà, il me reste ça, je pense y arriver. Donc j'avance petit à petit, ça se lit quand même vite. Mais comme je suis très fatiguée et que j'ai très mal dormi cette nuit... mais du coup, je sais pas trop si je vais arriver au challenge. Donc, parce que j'ai pas le courage trop de lire. J'ai la tête un peu vaseuse et tout. Dû au fait que j'ai très très mal dormi, quoi. Je pense. Et ça me fout les nerfs. Hein, j'ai des choses à faire cet après-midi, sinon... Moi, j'aurais fait la sieste, mais faire la sieste, après, le soir, je vais pas dormir, quoi. C'est ça qui m'aurait embêté, donc voilà. Je vous reprends quand je serai arrivé au chapitre 3. Je vais essayer de lire jusqu'au chapitre 3, là. Au moins. Mais je pense que je vais pas lire en plus. Je relirai peut-être un peu ce soir si ça va mieux, ma fatigue, en fait. À voir. Voilà, mais je vous laisse pour maintenant. Je vous reprends ce soir ou demain. Et après, je clôturerai. Ça sera un mini-vlog vraiment lecture ce week-end. Je le mettrai en ligne lundi ou mardi. Comme ça, vous aurez des vlogs un peu rapprochés. Et un petit suivi lecture de celui-là, mais juste un petit. Après, je lirai parallèlement sûrement Roi des Glaces ou je le mettrai en pause pour lire vraiment le Roi des Glaces. À voir, à voir, à voir. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus. Ah ouais, j'ai fait les ongles. J'ai décidé de faire ces verres. Vert rose. Voilà. Et ça a rapport un peu avec le livre. J'ai même pas fait esprit sur le coup.
trouvais que ça allait bien avec l'été, un peu. Enfin, avec l'été. C'est pas vraiment l'été, parce que chez moi, un coup il fait beau, un coup il pleut là. C'est trop chelou. Voilà, puis je vous laisse pour maintenant, je vous reprends d'ici ce soir, si je vous oublie pas. J'espère. Donc, je vous reprends, nous sommes toujours le 17 juin, il est 18h11, 19h11, qu'est-ce que je dis moi? Je viens de mettre mon mini agenda à jour, parce que il me restait plus de pages dans mon ancien. Du coup, je me suis créé un mini agenda pour finir l'année. Pour finir juin, juillet, août. Donc, c'est vraiment un mini agenda. Et donc là, je viens de le mettre à jour avec mon petit stylo tout mignon, rose et de toutes les couleurs. Voilà. Et j'ai pas du tout relu depuis. Vous voyez, chapitre 3 toujours. Je pense que je vais lire ce soir un peu dans le bain si je regarde un film où il y a des pubs, sinon, mais je ne sais pas si je relirai aujourd'hui ou si je lirai demain. Je suis dégoûtée parce que je voulais faire un. Je voulais pas que ça dure que genre 10 minutes le vlog. Au pire, je le continuerai lundi. Et je vais tricher un peu et je vais finir le week-end lundi si vraiment je vois que demain je lis pas. Mais je voulais lire quand je suis rentrée et comme j'ai pas dormi de la nuit quasi. Je suis fatiguée. Je m'endors et je suis pas sûre d'arriver à dormir ce soir en plus, donc ça va être chaud. Voilà. J'espère que je vais y arriver parce que ça me saoule. Mais voilà, en tout cas, j'ai adoré les deux premiers chapitres. Je vous le conseille si vous avez aimé Sorcery of Thorn. C'est un peu la continuité de Sorcery of Thorn. Voilà, mais je vous laisse pour maintenant et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Demain, il faut que j'essaie de vous prendre parce que à 14h, je vais partir chez la mère d'un ami et je ne sais pas si j'aurai le temps. Excusez-moi, je suis vraiment fatiguée là. Il est 19h11 et je suis fatiguée déjà. Père, je vais dormir ce soir. Voilà, bon, mais je vous laisse et je vous dis à plus. Je viens de lire un peu, je me suis arrêtée à la page 46, chapitre 3. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 5 pages pour aller au chapitre 4. Mais clairement, je ne pourrai pas finir, je pense, parce qu'à 13h30, il faut que je m'en aille pour aller boire le café chez la maman d'un ami, pardon. Et je pense que ça va être mort mon week-end pour finir ce livre. Je continuerai demain un peu, je pense, si j'en fais rien. Et je vous mettrai la vidéo mardi ou mercredi en ligne. Et si je peux pas demain, eh bien je mettrai demain la vidéo. À voir. Je ne sais pas quand je vais arrêter ce vlog. Ce soir ou demain, mais je pense que ce sera demain. Ça le fera sur vendredi, samedi, dimanche et lundi, peut-être 4 jours. Ouais. Mais clairement, je ne l'aurais pas fini. Dommage. Pourtant, ça se lit vite. Mais hier soir, je voulais lire après être allée m'acheter des chaussures et tout. Mais j'étais tellement fatiguée, comme j'avais pas dormi la veille, que j'ai lu à peine 2 ou 3 pages. Donc, voilà, je pensais bien lire et au final, je n'ai pas lu. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, on ne peut pas. À plus. Re-coucou, je vous reprends une dernière fois. Nous sommes le lundi 19 juin et je viens de. J'ai pas beaucoup lu. Il est 18h et j'ai lu à peine un peu ce soir. Ce matin, j'ai pas lu. Je suis restée au lit même si je dormais pas. J'étais pas bien. Et voilà. Ça y est, j'en suis enfin arrivée au chapitre 4, page 59. Mais clairement, je suis pas sûre d'avoir fini quand je vais recevoir. Pourtant, j'adore ma lecture, mais en ce moment, j'ai du mal à lire. Pas que parce que je n'aime pas, c'est pas que je suis vraiment fatiguée, je suis pas dans un bon mood, je suis pas très bien, et voilà. Donc, j'arrive pas à trouver du travail, ça me saoule.
À chaque fois, je pense à l'avoir trouvé, mais on me déçoit. Bref. Voilà. Donc, petite déprime, mais bon, ça va passer, j'espère. Donc, je lis un peu moins qu'avant, mais j'aime bien, j'aime toujours lire. Donc, je lis, j'essaye de grappiller 3-4 pages par jour. Et des fois, chapitre entier, quand j'y arrive. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour ce mini-vlog. Ça sera, je pense, j'espère qu'il va durer un peu plus de 8 minutes quand même. Enfin, j'ai quelques rushs, mais j'en ai pas beaucoup. Et voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais mettre demain ou mercredi la vidéo en ligne. Comme ça, vous l'aurez pour le milieu de la semaine. Et je vais essayer d'en préparer un autre. Pas, si c'est pas ce week-end, ça sera l'autre. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.